soirs, 20h, 23h, Mickaël sur Goom Radio. Just hits. Virginie Caprice qui est avec nous, comment ça va Virginie? Bah écoute, ça va bien. Bah j'ai ouï dire que tu étais très timide, donc rassure-toi, tu es à la maison ici, hein, y a pas de problème. D'accord, c'est gentil. Bon Virginie, est-ce que tu fais toujours des émissions de télé du coup? Non, pour l'instant je suis au chômage. Oh merde. C'est pour ça que je suis là. Ah bah. Sinon je serais pas chez Goom Radio, hein, je te le dis tout de suite. Oh bah Virginie, dis donc. À Goom, c'est vrai. Ah bah donc tu peux prendre tes affaires et sortir, hein. Ouais, tout de suite. Bah y a pas de problème. En fait, j'ai faim. Allez, salut. De quoi on parle? Non, elle a pas dit ça, mais c'est pas péjoratif. Elle a juste dit si elle avait un taf, elle serait pas là. Mais sauf que là, elle est là pour faire la future promo. Ça va, c'est ta famille, toi, pourquoi tu la défends? Non, mais moi j'ai envie de tourner une scène, alors ta gueule, ok? Ah, mais non, j'ai pas baisé, donc c'est d'accord, ok. Virginie, donc on sait aussi que t'as été la maîtresse de Jonathan dans Secret Story 3. Oh putain, c'est le sosie de Mika. Non, rien à voir, regarde, dis-moi que j'ai rien à voir, s'il te plaît. Téma, il a la même tête. Enfin, ouais, on va arriver. T'as fait des airs. Ah, il y a un peu de ça, ouais. Il y a un petit peu de ça. Donc, comment ça s'est passé alors? Parce que il était déjà avec une autre meuf en même temps. J'ai rien à dire sur ce sujet, d'accord? Si j'ai envie de le dire, je le dirai autre part, mais pas ici. Oh, voilà. Bon, Virginie, prends tes affaires et va-t'en alors. Hein. Hop, on enchaîne à quelque chose d'autre? Bon, bah, allez vous faire enculer tous. Vous êtes tous des gros PD. Oh, c'est vrai, vous êtes de la merde et je me casse. C'est vrai. Mais qui est au chômage? Putain, c'était. Et en plus, vous êtes des crevards parce que même pas vous m'avez. Qui est au chômage? Je sais pas qui est au chômage. Pourquoi c'est cette violence? Je ne sais pas. Mais c'est lui. Attends, je viens, je me déplace pour voir ta gueule. Et maintenant que je suis là, tu me dis. L'autre, il me dit des scènes. Attends, c'est bon quoi. C'est une histoire qui date de 5 ans. D'accord. Et alors, je croyais que tu tournais toujours pas. Quand on a reçu Clara Morgan, on en a parlé. Elle a pas honte d'avoir fait ce qu'elle a fait. Mais attends, c'est pas un problème. Pourquoi tu parles de Clara Morgan? Parce que justement, c'est une ex du porno, donc c'est pour ça. Non, mais. De toute façon, j'ai rien à te dire. Bon, bah alors au revoir. C'était trop Caprice. Bien. C'était parfait. Ouais, doucement. Allez, vas-y, regarde. Il faut se calmer, hein, par contre. Oh, écoute, putain, c'est pas grave. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien. Oh, t'es dur. Je t'embrasse. Attends. Je te reçois avec un grand plaisir. Bah, ça a été filmé, c'est cool. Oh, merde. C'est une blague? Non, mais le gentil, elle est brave. Tous les soirs, 20h, 23h, Mickaël sur Goom Radio. Just hits.